en Batundazak et Béfourn, une biodiversité menacée. Une collaboration est née entre l'Université d'Antananarivo à travers la Faculté des sciences agronomiques, option développement, eau et forêt, et Yokohama National University of Japan, dans le cadre d'une étude portant sur les changements climatiques, la préservation de l'environnement et l'agriculture. 6 étudiants japonais et 4 étudiants malgaches ont participé à cette étude d'une durée de 2 semaines, dont les résultats ont été restitués aujourd'hui. Il en ressort que, sur le plan environnemental et agricole, Madagascar regorge indéniablement de potentiels considérables. Toutefois, ceux-ci sont menacés par la déforestation et par la culture sur brûlis, d'où l'étude qui a été menée à Mbatujozak et Béfourn afin de pallier à ces fléaux. Un projet de développement financé par la JICA sera donc proposé au gouvernement malgache incessamment, plus précisément après la restitution de ces travaux dirigés par les universités malgaches et japonaises.